départ de Weaver était donc attendu au Palais Royal à 11h pour présenter un rapport intermédiaire de sa mission au roi Philippe. Et l'informateur en est ressorti, Marc de Bont, avec une mission prolongée d'une semaine. Oui, absolument, Muriel. Une audience qui aura duré 45 minutes, assez courte donc, cette audience. À l'issue de celle-ci, vous l'avez dit, Bart de Weaver a vu sa mission prolongée d'une semaine. Il a donc jusqu'au mardi 10 juin pour répondre à la question posée par le roi. Peut-on créer rapidement un gouvernement en Belgique, avec qui? C'est la mission qu'il doit réussir aujourd'hui, Bart de Wever. Il doit réussir à déterminer quels sont les partis qui peuvent monter dans une majorité rapidement en l'État fédéral. Vous l'avez dit, une mission qui a été prolongée. Ça tombe bien puisque, effectivement, dans les différentes régions, les informateurs et formateurs avaient prévu aussi de réussir à déterminer les majorités possibles début de semaine prochaine, c'est-à-dire vers mardi. Vous l'avez dit aussi, une mission qui est prolongée, mais une mission qui met la pression sur les épaules de Bart de Wever. Il a en effet jusqu'à mardi au plus tard pour définir si la NVA peut, oui ou non, entrer dans une majorité au fédéral.